What's up mes pépites de chocolat, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière puisqu'on est là pour le best clothing subscriber. Mais attention, hashtag girl, hashtag lourdeur, hashtag stylé, hashtag fille. Eh ouais les potos, on est là pour les tenues des filles. Et ça je pense que ça va vous faire plaisir que les filles participent à ce genre de vidéo là. Mais attention, il y a une seule règle, parce que je sais comment vous êtes, vous, mes petits abonnés là. Je vais cacher le nom de famille de chacune des filles par respect envers elles, parce que je sais qu'il y a, doit y avoir certains mecs en chien qui vont vouloir pécho, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que mes abonnés se retrouvent dans une galère ou les mecs ils viennent voilà, les aborder comme ça. Non, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que ça les foute dans la merde ou qu'il y ait des mecs super lourds qui viennent les embêter. Non, ça c'est mort. Ça c'est mort. Donc, il y aura juste leur prénom, mais pas le nom de famille. Et ça, comptez sur moi pour le cacher parce que c'est mort les amis, c'est mort. On va commencer par ma poupounette. Donc voilà, très très belle photo, franchement. Photo super lourde et tout, vraiment stylée. J'adore, moi j'adore, je trouve ça super classe. Débardeur H&M, jupe Primark, chaussures Primark, veste Pinky. Franchement, c'est une des tenues coup de cœur que j'ai eu par rapport aux filles, hein, bien évidemment. J'ai vraiment kiffé dessus, donc franchement, t'es au top, ma poupounette. On se retrouve à Paris le 20 septembre, j'espère. Et puis, comme ça, on pourra se voir, et voilà, etc., etc. Et franchement, j'ai hâte de te voir, et puis qu'on fasse plus en plus connaissance. Bref, franchement, une tenue superbe, gros bisous à toi, et à très bientôt. Deuxième tenue, chérie, une petite cape, t-shirt, jean, Six June. Donc tout ça vient de chez Six June, entre la cape, le t-shirt et le jean. Et des Nike Rush One. Franchement, belle tenue, assez stylée. C'est très masculin, mais ça te va super bien. Et puis de toute façon, je pense que maintenant, le style vestimentaire qu'on porte tous, c'est, enfin, c'est mon propre avis, mais je pense que c'est vraiment, ça devient mixte en fait. Donc dire un peu c'est masculin, c'est un peu bête de ma part, puisqu'au final, ça va très très bien aussi aux filles. Et ça, voilà, c'est pas du tout, ça va pas les transformer en mecs. Je veux dire, on peut très bien voir une fille habillée comme ça et que ça soit la fille, elle soit juste sublime. Donc non, franchement, très très belle tenue, et puis ça te va super bien. Donc voilà, au top. Elodie, alors Elodie, t-shirt Justin 94. Donc ça déjà, bah t'as le droit à voilà, un bon petit pouce bleu, parce que bon, bah t'as un t-shirt Justin de chez New Worker. Donc ça, je connais pas. Chino de chez Teddy Smith, donc c'est cool. Et Adidas Superstar, qui sont vraiment juste trop magnifiques, les Adidas. À son bleu ciel, si je vois bien. Ouais, son bleu ciel, franchement, elles sont grave stylées. Donc bonne petite tenue au KLM avec le petit t-shirt Justin. Fanny, t-shirt de chez Bisbee, jean de chez Jennifer et Adidas Superstar. Donc vraiment très belle tenue. Moi je trouve, alors je sais pas, hein, ce que vous en pensez, vous les autres filles, mais je trouve que le t-shirt débardeur Bisbee, il est grave stylé. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est grave mignon. Je sais pas vous. Moi je trouve que, je sais pas, il a un truc genre. Il est vraiment pas mal. En tout cas, belle tenue Fanny. Voilà, il n'y a rien à dire. Belle tenue. Moi franchement j'aime bien. Et les Adidas Superstar, je sais pas, je commence vraiment à avoir un kiff dessus. Je sais pas pourquoi. Les Adidas commence vraiment de plus en plus à m'attirer. Et je sais vraiment pas pourquoi, mais. Enfin voilà, je kiffe. Franchement rien à dire. Mais le haut, ton haut, je sais pas, j'adore. J'adore franchement, donc je pense que ça va intéresser pas mal des filles, des participantes, ton haut là. Ça serait cool que tu mettes en commentaire le prix du t-shirt, et si par hasard tu auras un lien sur le site Bisbee, voilà, ça serait cool. Et en tout cas, franchement, super tenue fait. Ma petite Shannon, voilà, très très belle tenue, c'est aussi une tenue coup de cœur. T-shirt Bisbee que je kiffe vraiment, mais alors je sais pas. Les t-shirts Bisbee, ils sont juste trop lourds pour les meufs, c'est un truc de ouf. Jean Stradivarius,
Et casquette Adidas et basket Adidas, donc super tenue, franchement tout va avec tout. La casquette rappelle un petit peu le t-shirt, les baskets rappellent un peu la casquette. Voilà, je sais pas s'il est vraiment noir ton t-shirt Bisbee, ou s'il est un peu aussi violet. Je sais pas trop parce qu'il y a un reflet violet en fait qui se met sur la photo, soit c'est un effet Instagram, je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vraiment une super tenue, tout va avec tout, et puis tu le portes super bien, donc franchement nickel, Shannon, franchement stylé de ouf. J'adore vraiment cette tenue, c'était aussi un coup de cœur comme je le répète, et puis franchement, bah, continue d'être au top comme ça. Mélisse, alors Mélisse, voilà, je crois que toi t'es une petite fan de Nike, hein, je sais pas pourquoi, mais je sais pas, quand je vois ton profil souvent, je vois des vêtements Nike et tout. Une casquette de chez Nike, polo de chez Nike, jean de chez Cash Cash, les stylés pour vous les filles. Et les chaussures sont du magasin La Halle aux Chaussures. Donc malheureusement, j'ai pas pu avoir les chaussures parce qu'il y avait une trop grande description. Donc voilà, désolé pour ça. Mais sinon, franchement, belle tenue. C'est simple mais efficace. Donc voilà, ça on peut pas cracher dessus. Ce qui est simple, c'est pas forcément pas stylé. Ce qui est simple, au moins t'es sûr que c'est efficace. Enfin pour ceux qui s'habillent bien simplement aussi, parce que bon, il y en a, ils s'habillent simple mais c'est moche. Je veux dire, voilà. Bon. Là, en l'occurrence, ça s'habille très très bien, mais simplement. Mélodie, alors, je l'ai renié, la deuxième pour pas voir la télé, etc. Et sinon, Bomber de chez Pull and Beer. C'est rare maintenant que les personnes achètent chez Pull and Beer. C'est même dommage, mais franchement très beau bomber déjà. T-shirt Pull and Beer aussi, pantalon Pull and Beer et Adidas Gazelle. Très belle tenue, j'adore, et franchement le bomber il est juste trop stylé. Je pense qu'avec ça tu dois vraiment faire pas mal de tenues, et franchement c'est grave stylé. Très très belle tenue, Mélodie. Ma petite nanou, donc Anaël, donc haut de chez Jennifer, jean Pinky, chaussures Gémeaux, collier Jennifer et montre Michael Kors. Aïe aïe aïe, petite montre Michael Kors au KLM. Franchement très belle tenue. Bah y a rien à dire en fait dessus puisque c'est tout simplement classe. Tu peux être décontracté en ayant un jean un peu destroy et tout. En ayant aussi des chaussures ouvertes, mais avec le petit haut qui rappelle que t'es là, tu vois, t'es là, mais classe, t'es posé avec la petite montre et tout, vraiment stylé de ouf. Le petit collier au KLM, franchement, très très belle tenue, très classe. Avec voilà, une belle petite chambre, ça va, Anaël, tranquille. Voilà, franchement, j'adore la tenue, c'est super agréable à regarder, tout simplement. Auréline, bon, que dire? Bah, t'as des putains de poses, franchement. T'as un très très bon style, même voire un style de ouf. Le haut vient de chez AliExpress. La jupe de H&M, la chemise autour de la taille du H&M. Et les chaussures viennent de chez Gémeaux. Et si vous l'avez pas remarqué, juste là, il y a sa chaîne YouTube. Donc je vous invite très fort à aller vous abonner à sa chaîne. Donc c'est une chaîne beauté, voilà, comme pratiquement toutes les filles. Mais c'est une amie de on va dire de longue date, puisque ça fait au moins 6 ans qu'on se connaît, même si. Ouais, 6 ans je pense. Même si on se parle pas vraiment, mais bon, des fois on se parle vite fait. Et donc bah, je vous invite vraiment à aller vous abonner ou vous intéresser au moins à sa chaîne, parce que franchement la chaîne a vraiment du potentiel et a dit des choses qui sont intéressantes et qui valent la peine d'être écoutées pour vous les filles, parce que c'est vraiment une personne qui est vraiment à fond dans ce truc là en fait. Donc franchement je vous invite vraiment vous les filles à aller vous abonner à sa chaîne Mademoiselle Auréline 1. Donc voilà, de toute façon vous aurez le lien dans la description sans problème, je vous la mettrai. Et franchement bah tu ferais une très bonne mannequin, parce que t'as vraiment les poses, t'as la tenue, les tenues, t'as tout pour être mannequin, ou du moins mannequin photo, parce que bon bah comme nous deux on a le problème, c'est au niveau de la taille pour être mannequin podium.
Sauf que c'est un peu chaud. Mais non, franchement, tu feras un très beau mannequin photo et hésite pas à le faire, quoi. Donc voilà, lance-toi et hésite pas à le faire. Donc tout d'abord, j'ai vraiment eu du mal à avoir des filles en tant que participantes. Mais je pense que c'est normal, les filles ont plus du mal à rentrer dans le jeu parce que vous n'êtes pas déjà nombreuses à être abonnées à ma chaîne ou à la connaître forcément. Et en tout cas, je remercie très grandement ces mes amis d'avoir voulu y participer et de vous-même en fait. Même si sur certaines personnes, j'ai été obligé de forcer un peu, c'est un peu dommage. Mais vraiment merci à vous d'avoir voulu participer, ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Et ça vous permet de participer aussi et c'est ça le truc que je veux en fait sur ma chaîne, c'est que tout le monde participe. Je pouvais pas il y a quelques mois de ça à cause de ma relation avec une certaine personne et maintenant je me sens délivré par rapport à ça parce que je me sens plus libre sur ma chaîne et je peux faire vraiment ce que je veux maintenant. Et je pense que le plus important c'est que quand t'as une chaîne, t'es libre de faire participer les gens qui te suivent, et ça je pense que c'est très important. Donc vraiment merci déjà premièrement à mes abonnés d'être présents et deuxièmement mes amis d'avoir été présents, mes amis filles d'avoir été vraiment présentes pour que la vidéo sorte. Donc je pense à Nanou, je pense à Poupounette, je pense à Auréline, je pense à Shannon, je pense à tout le monde parce que mes abonnés, je les considère vraiment comme mes amis tout simplement. Donc je sais pas, moi ça me fait extrêmement plaisir en tout cas que tout le monde ait pu y participer. Ça me fait, je sais pas trop quoi dire. Voilà, il y a Fanny aussi. Fanny, Poupounette, Chérie, il y a Elodie, il y a qui d'autre? Il y a Shannon, Mélis, il y a aussi Mélodie, il y a Nanou, il y a Aurélie. Et voilà, moi ça me fait vraiment extrêmement plaisir et j'espère que, je pense que j'aurai plus du mal à trouver d'autres participantes pour une deuxième partie pour les filles, mais si les personnes qui ont déjà été présentes veulent refaire partie d'une deuxième partie, n'hésitez vraiment pas à me le dire. De toute façon, je noterai sur Facebook quand j'en referai une, donc vous serez forcément au courant. Mais en tout cas, voilà, je tiens vraiment, vraiment à vous remercier parce que la vidéo serait jamais là si mes amis déjà d'une n'auraient pas été là et si les abonnés, quelques peu d'abonnés filles, n'aurait pas été là. Donc vraiment merci beaucoup. Je crois que je me suis embrouillé là dans mon je me suis lancé dans un putain de truc. Non mais voilà, j'ai besoin aussi des fois d'exprimer dans mes vidéos ce que je ressens et tout parce que je peux pas le faire autrement en fait. Je tiens à dire aussi que je suis présent sur Paris le 20 septembre pour voir Justin Bieber. Je prendrai ma journée pour justement être là dès le matin, enfin du moins on va essayer avec mon meilleur pote, dès le matin jusqu'au concert pour voilà, profiter un peu des abonnés, profiter, faire le shopping aussi. Et j'aimerais vraiment rencontrer le plus d'entre vous, donc je noterai sur Facebook là où je suis, etc. Mais en tout cas, je compte vraiment rencontrer pas mal d'abonnés. Voilà, ça serait vraiment très très cool. Venez m'aborder aussi si vous me voyez, n'hésitez vraiment pas. Bon, pas en mode chacal, ouais, tu vois. Non, mais venez m'aborder, une petite tape dans le dos, ouais, Clemento, c'est toi et tout, ouais, je suis abonné à ta chaîne, par exemple, un truc comme ça, où je te suis depuis longtemps. Voilà, un truc comme ça, ça serait vraiment sympa. On se fera un petit selfie au KLM, et puis voilà, ça sera cool, on pourra parler 5-10 minutes, il n'y a aucun problème avec ça, et puis voilà les potos, j'espère que vous serez présents aussi le 20 septembre. Je vous fais plein de gros bisous, merci encore d'être tous là, et puis à une prochaine vidéo, peace, n'êtes pas sur moi.